Aujourd'hui, on va tester ce stage créé par Ticoche. Bonjour, aujourd'hui je vais présenter le stage 1-1 Mecha Copa Bleu. C'est le premier stage que je fais depuis la mise à jour 3. Comme vous pouvez le voir, c'est un stage extrêmement simple, mais, car il y a un mais, si le joueur s'en donne la peine, il peut trouver vraiment beaucoup de vie dans ce stage. En voici un exemple. Donc en prenant le Mecha Copa bleu et en le lançant à gauche, il suffit d'attendre qu'il se réveille et qu'il casse les blocs pour libérer le passage des vies. Ainsi. 1, 2, 3, 4 et 5 vies gagnées. Dans ce stage, j'encourage la prise de risque. Je casse les codes, tombez dans un trou et vous gagnez 2 vies. Avec en bonus une vision sur un passage secret. Il y a encore d'autres vies bien cachées. On voit que ça ressemble au stage 1-1 classique de Mario avec la vie qui va avec, la vie cachée. Vous pouvez faire vraiment mieux dans ce stage en prenant le tuyau bleu. Et là, les choses sérieuses vont commencer. Un checkpoint étant donné la difficulté qu'on va rencontrer dans ces lieux. À partir du CP, on peut voir ce passage. Quand on revient, il n'y a plus de CP. Peut-être qu'on n'est pas au même endroit finalement. Et voilà le champignon caché qui va bien nous aider à amener cette copa rouge géante ici. Et regardez toutes les vies qui nous attendent. Déjà une vie. Et croyez-moi, ici, c'est pas moins de 25 vies que je viens de récupérer. Comme on peut le voir, c'est juste un tuyau reset. Bon. C'était histoire de vous faire perdre une vie. Une fois que le switch est sur la position off, il suffit de rentrer par le même chemin avec certains blocs bleus qui vont nous aider. Mais attention, il n'y en aura pas partout. Ici, par exemple, il va falloir vous débrouiller à l'ancienne en faisant des grands sauts. Ça, c'est pas le vrai tuyau pour rentrer. Il se trouve derrière les portes. Avec le checkpoint. Et une fois que vous rentrez, vous pouvez finir le stage tranquillement. Voyons maintenant la dernière astuce pour gagner des vies cachées, secrètes dans ce stage. Il faut activer ce bloc pour avoir la clé maudite. Alors certes, là, le masque maudit va nous suivre pendant tout le stage, mais la clé est obligatoire pour pouvoir passer. Une fois que la porte est ouverte, il fallait être sous l'effet d'une étoile pour obtenir une deuxième clé du Mecha Copa bleu. Le nombre de pièces dans cette salle correspond à 2 vies complètes, plus les 3 vies que j'offre dans des blocs. On en est déjà à 5. Plus, si vous avez obtenu la clé grâce à l'étoile, 5 vies bonus ici. Il vous suffit ensuite de rentrer simplement et finir le stage
à l'envers. Au lieu de monter l'escalier, on va le descendre. On casse les codes des stages Nintendo. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à vous amuser sur ce Super World.